Mesdames et messieurs, aujourd'hui je lance mon stream pour qu'on découvre un jeu qui est très cool. Je remercie déjà dès à présent Capcom pour m'avoir proposé de faire cette OP. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Même un pot AK, tu peux avoir des accidents, ça m'est arrivé, le bouchon a sauté. Le bouchon a sauté? Oh, j'espère pas, hein. Parce que moi vraiment, si je me suis convertie à AK, c'est juste pour plus avoir d'accidents. Ouais, juste plus avoir d'accidents en fait. Bon, enfin, bon, bref. Donc, j'ai Capcom, oui, qui m'a contacté pour cette, vous allez voir, collaboration commerciale. Merci beaucoup de m'avoir d'avoir pensé à moi. Et je vais vous montrer le jeu aujourd'hui. Alors, évidemment, j'y ai déjà un petit peu joué en off pour pouvoir être au taquet pour vous le montrer aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire, évidemment. Le jeu, la démo, elle est gratuite et elle est accessible en ce moment. Vous pouvez y jouer sur Xbox, vous pouvez y jouer sur, sur Steam, vous pouvez y jouer sur Microsoft, vous pouvez y jouer un petit peu sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, évidemment il est sur le Xbox Game Pass. Et avant de lancer le jeu et de vous montrer le jeu, ils m'ont dit de vous faire regarder une petite vidéo. Je me suis dit qu'en vrai, on va peut-être aller voir ça. Tac. Hop. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble pour qu'on se donne une petite idée du jeu. Let's go. Alors, c'est vrai, alors moi je connais très peu la culture japonaise, et pourtant hein, j'en ai consommé des mangas. Hein, mais pour ceux qui ont fait, je sais qu'il y en a qui ont fait des études, des licences d'histoire avec une spécialité Japon. Je crois que quelqu'un m'avait dit ça. Pour ceux qui sont très connaisseurs de l'histoire du Japon, c'est impressionnant à quel point il y a énormément de refs à l'art japonais. La religion aussi. Alors je m'y connais vraiment pas assez, mais il y a des yokai, il me semble que c'est des petits démons japonais. Enfin, il y a pas mal de petites références un peu partout qui font référence à des légendes et à des contes et des mythes japonisants. Je sais pas si ça se dit japonisant, mais bon, bref, des mythes japonais plutôt. Et même dans la création justement des bâtiments, les vêtements, comme vous avez pu le voir. Ils ont fait un énorme travail dans la création de ce jeu, qui est très bien. Laquelle religion japonaise? Je sais pas, mais je sais pas si on peut parler de religion, plutôt de légende. Je pense que c'est plutôt de l'ordre des légendes, et des contes et des mythes. De toute façon, vous allez voir. Vous avez la démo qui est accessible. Je le tiens, vous avez vu en bas, il y avait Game Pass, il y avait un petit peu tout. Donc, hop, non, on va pas regarder. Let's go. Hop là. Du folklore, voilà. Oui, vous avez le bon terme, mieux que moi, le folklore. Alors, on peut jouer manette. Je vais notamment jouer manette à ce jeu. Ma jolie petite manette qui est là. Hop, vous avez obtenu l'objet suivant. Oui, 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 oui. Ah, j'ai reçu plein de jeux. Alors, l'aventure, on va faire une nouvelle partie, quand même, pour vous donner une petite idée du jeu. Ce serait la moindre des choses. Hop. Oui, ce sont très... Alors, oui, ils sont très animistes dans leurs croyances. Les objets et les coneptes ont des consciences, en gros. Les yokai peuvent être des manifestations. Ok, bah écoute, si tu t'y connais un peu Shinkami, surtout, n'hésite pas. Et... C'est bizarre, mais on n'a pas le son du jeu. Alors, attends. Si, si, il y a du... Alors, je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas le son du jeu. Il y était tout à l'heure. Ah, alors, attendez. On va... Attendez quelques instants. On va recommencer. On va relancer le jeu parce que il semblerait que je... Les alt-tab aient supprimé le son.
que ça va le faire. Sinon... Ouais, c'est bon. Il fallait juste que je relance. J'ai fait pas mal de alt-tab, c'est normal. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois où quand je joue à un jeu, le alt-tab... ça casse tout, c'est souvent le cas. Petite caution, si vous pouvez éclairer ma lanterne, j'ai fait l'acquisition des deux premiers tomes de l'œuvre La Roue du Temps. Ah, la collection vaut-elle le coup? C'est un gros mensonge dans lequel se lancer, donc si je peux avoir quelques retours, ce serait cool, sinon je remets ça à plus tard. Bah en fait, je sais pas si c'est un bon conseil que je peux te donner, mais La Roue du Temps, bon, peut-être que t'es au courant, mais sur Amazon Prime, il y a la série, donc... Même si je pense qu'il y en a certains qui étudieront que ce n'est pas très respectueux de l'œuvre écrite. En vrai, moi, je n'ai pas lu l'œuvre, donc je pourrais jamais te le dire. Mais pour avoir entendu des gens en parler, il y en a qui étaient... Bon, après, c'est toujours pareil. Quand les gens lisent un livre et qu'il y a une série qui se fait adapter, souvent, les grands fans te diront « Non, c'est pas du tout la même chose. » Mais malgré tout, ça pourra te donner une première idée, peut-être, de l'œuvre. Et si la série te plaît, peut-être que ça pourra t'inciter à continuer l'œuvre. Moi, je sais que La Roue du Temps fait partie des œuvres que je dirais magistrales. Enfin, vraiment, ça fait partie des œuvres. Je les mets à la même hauteur que L'Assassin Royal, que Game of Thrones, que toutes ces œuvres où, en vrai... Tout le monde en entend parler et bah oui, en vrai, c'est un bon livre. Je ne l'ai jamais lu, je n'ai pas eu le temps, mais je pense honnêtement que tu peux te lancer, clairement. Et merci beaucoup pour ton 17e mois, Xerk. Merci, c'est très gentil. Merci, merci, merci. Option. Je crois qu'en fait, c'est moi qui avais baissé le son la dernière fois. Voilà, c'est totalement moi qui avais baissé le son. Je me disais bien que le son avait disparu même là. Donc, c'est ma faute. Merci beaucoup, Maxstream TV, pour ton 13e mois. Ouais, les livres sont forcément mieux que la série Amazon, comme souvent, en vrai. Il y a environ... Ouais. J'ai découvert l'Assassin Royal il n'y a pas longtemps. Mais moi aussi, j'ai découvert l'Assassin Royal il n'y a pas longtemps. Bah, il y a un an et demi. Et j'ai... Oh, je les ai bouffés, les livres. C'est tellement bien écrit. Elle est incroyable, l'auteur. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la Assassin's Creed. Mais avant de lancer le jeu, j'ai juste... je vous parle d'un truc, parce qu'on parle d'œuvres et tout. Je me permets d'insister sur un truc. Je sais que le cinéma, c'est cher en ce moment, je le sais. Mais si je peux vous conseiller un film quand même à aller voir, c'est Le Comte de Monte Cristo. C'est trop drôle parce que depuis que je suis gamine, ma mère, dans... j'avais toujours une... montagne de livres à lire que ma mère me disait de lire, et à chaque fois elle me mettait Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas dans ma liste à livres, et souvent je l'ai mis de côté en me disant oh, je sais pas, et elle me disait que c'était une œuvre magistrale, Le Comte de Monte Cristo. Il y a du coup Pierre Niney, l'acteur principal qui a joué donc dans Le Comte de Monte Cristo, et du coup le film, je suis allée le voir hier soir. J'ai adoré. En fait, je suis sortie de... Ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie du cinéma d'un film français, et je permets d'insister là-dessus, d'un film français, en me disant « Putain, c'est trop cool. Il est trop bien. » Évidemment qu'on peut toujours critiquer certaines choses du film. Moi, il y a quelques petits trucs qui m'ont fait un peu tiquer en me disant « Oh, bizarre, ça, à ce moment du film. » Évidemment, le film n'est pas parfait, mais c'est un vraiment très bon film. Si vous avez besoin d'aller... si vous avez envie d'aller au cinéma, alors attention, c'est un film qui dure 3 heures. Je pense que moi, j'ai adoré ce film parce que j'ai une appétence à la lecture classique, la littérature classique, pardon. Et du coup, évidemment, c'est un univers qui, moi, me parle énormément. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté de vengeance. Moi, il y a l'histoire de la vengeance, de toute façon, j'adore ça. Donc, ouais, bah Pierre Niney, mais évidemment, Pierre Niney en même temps, voilà. Mais il était vraiment bien, je vous le conseille, j'ai vraiment adoré, ça m'a même donné envie de relire Le Comte de Monte Cristo, donc bon. Mais ouais, un film français qui dure 3 heures, non mais en tant que film français, franchement ça vaut le coup. Enfin moi, je suis fière de me dire que c'est un film français, Le Comte de Monte Cristo, j'en suis trop fière. Les acteurs, ils jouent trop bien. À mon regard de néophyte, hein, parce que je baigne pas dans le cinéma, même si j'ai vu beaucoup de films dans ma vie,
J'ai pas non plus une culture incroyable au cinéma et j'ai pas la sensibilité pour savoir qui joue bien ou pas, mais selon moi, le rôle des acteurs était fou. Enfin, j'ai vraiment adoré. J'ai pas vu les 3 heures passer. Je n'ai pas du tout vu les 3 heures. Bref, c'est mon avis, mais je vous le conseille. C'est un très bon film. Ok. On va faire une nouvelle partie, du coup. J'ai dû voir plus de 2000 films et je dis sans trembler que c'est le meilleur film dramatique français. Eh ben, Valp, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Allez, on regarde le film, la cinématique. J'aurais voulu me cacher, mais... Bon, je reste. Je parlais du film de Monte Cristo. Film français. Vous avez vu ces petites créatures ? Donc j'imagine que dans le folklore japonais, c'est des créatures qui ont existé dans le folklore, évidemment. Hein. Faut me comprendre quand je dis exister. Mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de rêves. Et évidemment, le jeu a une patte graphique absolument magnifique. De toute façon, je pense que ça se voit. Ça fait très Naruto, ça. Hein. C'était mon frère qui connaissait par cœur... Il avait appris par cœur les signes de Naruto, de Kakashi, je crois. Je sais plus. Il me faisait rire quand il faisait ça. Il connaissait par cœur le mouvement. Sasuke plus, non? Non, je crois que c'était Kakashi. Je sais plus. Je sais plus quel mouvement il avait appris. Faudrait que je lui redemande, s'il s'en souvient. Alors, let's go! Bon, le tuto est assez simple à prendre en main. Hein. Kakashi, ouais. Non, c'est ça, ouais. Rigolez, ouais. Rigolez bien, là, dans le chat. Hop là! Alors c'est un jeu qui se joue manette, hein. Moi c'est ce que je préfère, hein, largement. De toute façon, dès que je peux jouer manette, je peux. Mais ça se joue très très bien clavier souris. Hein. Vous allez voir, hein, c'est un jeu où on voit à différentes étapes. Où on va enchaîner des boss pour libérer des villages à droite et à gauche. Ah, je crois qu'il faut que je me protège pour faire le tuto. Et hop là, j'esquive. Au moins, on a fait le tuto, ils acceptent. Hop là, j'esquive. Les mille ans de souffrance. Mais ça m'étonnerait pas que mon frère ait appris les mille ans de souffrance.
puis ça m'étonne pas de lui. Il est du genre à prendre ce genre de choses. Parce que c'est ça, hein, pour avoir les 1000 ans de souffrance, faut faire un... Faut faire des symboles avec ses mains, je crois. Hein. Je pense que c'est ça. Le pire, c'est je pense que c'est ça. Et le pire, vous vous imaginez, il nous l'a fait, alors... Insupportable. Je vois que quelqu'un est en train de... d'insulter Limoges, là. Alors. Là, je m'en prends plein la gueule, là. Allez, mourez. Nabokou ! Ça va, ils en sortent. Oh là. Ah, oups, je me suis pris des coups. Heureusement que c'est que le tuto et qu'on se prend pas de coups, hein. Ok, let's go. Ok, let's go. Je vois pas trop là, on va... Hop. Ça va être le premier boss de la game. Un petit chien. On va essayer de d'enchaîner les attaques normalement. Allez, vas-y, m'enchaîne. Il me focus, hein. Si jamais vous mourrez au niveau du tuto, hein. C'est que vous êtes vraiment nul. Moi, ce que je connais, c'est le kabuki, je crois. La danse. Je crois que le kabuki, c'est une danse martiale, si je me trompe pas. Et je me demande si. Là, le perso, on a juste l'impression qu'il danse. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de. Une inspiration de cet art japonais, tu vois, un peu. Le théâtre de kabuki, ouais. C'est du théâtre? Mais c'est pas un art martial, c'est-à-dire que c'est du théâtre, attention, mais que justement c'est de la danse, il y a de la danse, et dans le kabuki c'est quelqu'un... ah, c'est du théâtre crié. Ah, je me trompe alors. Il me semblait que c'était de la danse où ça imite justement le combat. La capoeira. Voilà, c'est de la capoeira. Bon, on a perdu. Comme dans tout bon tuto, on a perdu. Il n'y a pas de symbole avec les 1000 ans de souffrance? Ah bah alors, peut-être pas. De toute façon, il a quand même fait ça, j'en suis sûre. Je suis capable de mourir sur le tuto. Il est imposé de mourir dans ce tuto et on n'avait pas notre barre de vie. En vrai, je me faisais masse taper dessus, mais on n'a pas de barre de vie. Les hommes pouvaient profiter des richesses, mais étaient encore plus avides. Dans cette avidité insatiable sont nés les Ikoku, formant de véritables ordres progressant chaque nuit. Ah, l'avidité. Ils répandirent la corruption sur leur passage, dérobant dans chaque village les masques des divinités ancestrales. Merci beaucoup, Hélène, merci infiniment pour ton 20e mois. Leur puissance devint de plus en plus terrifiante jusqu'à ce qu'ils s'emparent du sanctuaire. Grâce à l'aide de Sō qui la protège, la Miko Yoshiro est parvenue à échapper de justesse à l'assaut. Sō et Yoshiro doivent désormais descendre à la montagne afin de récupérer les masques perdus. Et c'est ce qu'on va faire. Et plus on va descendre la montagne, plus ça va être dur.
et plus on va rencontrer des boss à chaque étape. Une fois le sanctuaire situé, les préparatifs et la cérémonie de purification seront alors terminés. La grande voie vers le sommet sera à nouveau accessible. Oui, il y a du loot, ouais. Oui, oui. Vous allez voir, en fait, on a un perso qu'on va pouvoir améliorer et on va avoir également pas mal de personnes qui vont nous accompagner tout au long de notre trajet jusqu'en bas de la montagne. Et en fait, il y a une sorte... c'est un peu stratégique. Ça devient de plus en plus stratégique tout au long de la game. Hop. On va justement rentrer à la première étape du jeu. Donc au premier village, le col de Myoko. Pareil, hein, c'est encore un peu le début du tuto, mais... Vous allez voir. Assez, c'est assez simple à comprendre. À chaque étage, un gros chien tué. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Et là, moi, j'ai... j'ai mon plumeau pour faire du nettoyage, pour faire les poussières. Hop là, healing. Offé pressait, je vends la mèche, mais le grand maître Maf s'est foutu de la gueule des Skaven hier soir, et pour lui, les Skaven sont pas du chaos, juste des pistoles relous à tuer dès le début. Ça mérite une bataille contre lui. J'avoue. Je lui en parlerai. Je lui dirai. Je lui dirai que j'avais des espions qui m'ont raconté tout ça. C'est ça, c'est le katana Swiffer Vulcan. C'est totalement ça. Alors on va pouvoir, on va devoir purifier pas mal de petits endroits. Et du coup, on a, on récupère des sortes de petits ronds roses. Je sais pas comment ils appellent ça, les petits ronds roses. On peut récupérer en détruisant pas mal de petites plantes de cet ordre-là. Là, on a un item ici qu'il va falloir qu'on récupère. Hop là, du soin. Voilà, en utilisant une ration, vous pouvez soigner totalement sot ou un villageois. Donc ça, c'est très bien. On a pas mal de petits endroits comme ça. Un peu cachés partout. On va nettoyer un petit peu tout le monde. Et vous allez voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va purifier. En fait, dans ces petits cocons, en fait, il y a des personnes qui vont venir nous aider à nous battre. Alors au début, t'as l'impression que ça sert pas à grand-chose. Mais après, vous verrez à quel point c'est essentiel d'en avoir et de savoir bien les placer. Et surtout de les améliorer. Donc en gros, on libère des villageois. Et si vous prenez les villageois, bon là vous avez qu'un seul choix, mais vous verrez plus tard, on va pouvoir débloquer archers, magiciens, etc. Là, c'est juste des bûcherons qu'on va, hop, on va convertir. Donc on a un premier bûcheron ici, pareil. On a un deuxième bûcheron là. Et on va maintenant pouvoir les placer. Alors en vrai, les placer honnêtement, on va les placer ici. Et l'autre, on va le placer là. Voilà. Donc ils vont aller se déplacer par eux-mêmes. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Normalement, voilà, ils y vont par eux-mêmes, là, dès qu'ils sont prêts. Et en fait, la nuit tombée, en fait, en bas à gauche, la nuit va tomber et il va y avoir des monstres qui vont arriver. Et qui vont venir nous attaquer. Et en fait, à chaque étape du village, il faut qu'on amène... j'ai déjà oublié le nom de la fille, de la prêtresse. Il faut qu'on l'amène jusqu'à la porte, enfin jusqu'en bas du village justement, pour défoncer les boss les uns après les autres. Hop. Et puis surtout, certes défoncer les boss après les autres, récupérer les masques, et afin qu'elle purifie un petit peu tous les sanctuaires. Hop. Alors, on va purifier tout ça. Lui, on va le former en bûcheron de toute façon, il n'y a que des bûcherons pour l'instant. Là. On va récupérer tout ça. Donc là, il en reste une dernière. Attendez, désolé pour la caméra, je l'ai mal placé. Lui, on y va, on va le purifier en bûcheron. Parfait. Hop. Et lui, excuse-moi. Alors, c'est pas ça. On va le positionner un peu devant ici. Parfait. Hop, juste nettoyer un peu les environs parce qu'il y a des petites plantes comme ça. Lui, je vais le récupérer. Pareil, on va le mettre où ? On va le mettre là-bas. Pour faire un petit peu barrière. C'est parfait. Je vais juste regarder. Je crois qu'il y a un dernier endroit à purifier ici. La nuit devrait tomber dans pas longtemps.
voilà. Je vais pouvoir aller récupérer le thème. C'est presque un tower defense. Moi, je le vois comme ça. J'avoue que dans le descriptif du jeu, c'est pas un terme que j'ai vu. Mais honnêtement, dans son système, oui, ça ressemble fortement. Hop. Juste récupérer le petit cadeau. Donc oui, en effet, il y a bien des loots. Donc ça, c'est une récompense de purification. Augmente légèrement la vie maximum de saut. Donc évidemment, on va l'augmenter. Ça, c'est des items, des emblèmes, etc. On a vraiment une capacité, vous allez voir. Après, on a même des attaques qui vont se déverrouiller. Notre personnage, pour l'instant, c'est basique, évidemment, c'est le début du jeu. Donc là, on n'a plus rien à faire. On a purifié un petit peu la zone avec notre capacité. Maintenant, il faut faire en sorte que madame, elle avance. Donc je vais lui tracer le chemin. Hop. Et on va lui demander de s'arrêter là, juste devant, parce que de toute façon, la nuit va arriver. Et le problème, c'est qu'elle s'appelle donc Yoshiro. Voilà. Yoshiro, c'est ce qu'il vous explique là. Le souci avec Yoshiro, c'est qu'elle se déplace super lentement. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont... ils te suggèrent d'accélérer le temps. Donc c'est ce qui va se passer. On va accélérer le temps. Et en fait, le souci, c'est que là... Bah, la nuit va arriver, donc elle avance. Sauf que les monstres, ils vont commencer à arriver eux aussi. Donc on va tout de suite se poser. Je vais me poser devant. Mais là, la nuit va tomber. Et le temps qu'elle arrive, on va se faire ouvrir. Et c'est parti. Le jeu fait graphiquement penser à Onimusha. Alors, il y a une collaboration de ce qu'ils m'ont l'air de dire. Ah voilà, il y a plusieurs compétences, évidemment. Je vais vous montrer. Ah, merde. Ok. Ah, il y avait une petite cinématique, j'aurais pu faire une cinématique de fou. Alors oui, il y a de la putréfaction sur le sol. Faut pas marcher dessus, sinon on se blesse. Je vais vous parler de la collaboration de ce jeu, mais il y a un jeu, en effet, avec une patte graphique assez semblable. Ils vont avoir une petite collaboration justement avec. Je vous en parle après, je vais juste vérifier si c'est bien le nom du jeu, parce que j'ai un doute. Alors, on va tuer tout le monde. Alors, ça c'est très chiant, parce que j'ai positionné personne dans ce chemin. Heureusement que c'est que le tuto, hein. Ça va, personne n'est malade. Allez, c'est parti. Tac, tac. Oh là, la super attaque. Donc, X, X, X. Ah, j'ai pas. Ah, il a réussi à me frapper. La démo est déjà dispo en effet. Vous pouvez tester la démo en ce moment sur différentes plateformes. Hein. Il est déjà accessible sur le Game Pass aussi. Hop, je peux me soigner. Ah! Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 c'est qui passe par derrière? Ça va, hein, personne n'est arrivé. Elle est... Protéger Yoshiko, ça va, elle est pas attaquée. De toute façon, dans le tuto, ça serait vraiment terrible qu'elle se fasse attaquer, parce que normalement, il est assez simple. Mais là, par exemple, en vrai, dans le jeu, vous allez voir des passages comme ça, faut absolument les protéger. Là, ça ne sert à rien. En vrai, c'est largement tenable. Surtout que le soleil est en train de se lever, là. Le soleil se lève, ça y est. C'est fini. Ok. Donc là, elle va pouvoir continuer son chemin. On est sur le deuxième jour. Donc ça y est, elle commence.
Donc on va juste peut-être accélérer. Voilà, elle avance. Ok, elle est arrivée là. Je vais juste lui demander... Hop. On va purifier tout le chemin qui mène au portail. Et là, c'est pareil. On va juste espérer qu'elle avance assez vite et qu'on n'ait pas besoin d'avoir une deuxième nuit à défendre. Normalement, elle devrait arriver. Ok, super. Donc maintenant qu'elle a atteint la porte, elle va pouvoir la purifier. Et là, on va pouvoir taper notre premier vrai boss. Mivi. Il est bien intégré le côté Tower Defense, on dirait, ça fait envie. Bah, j'ai hâte de vous montrer, parce que évidemment, on est en tout début du jeu. J'ai hâte de vous montrer quand le jeu va prendre de la difficulté. Parce que évidemment, le jeu prend de l'intérêt à ce moment-là. Là, pour l'instant, juste on avance, bah, forcément, c'est un jeu qui t'apprend les mécaniques. Le jeu est facilement, enfin, très facile à prendre en main. Tu le comprends très vite. Notamment, vous allez voir, là, on va... Enfin, je spoil un peu, mais... Je vous dis, il y a des bases qu'on va améliorer, etc. Donc, évidemment, on a du loot qu'on récupère qui vont nous servir à améliorer nos bases, à améliorer nos persos, à améliorer notre armée qui va nous suivre. Donc, c'est très bien. Récompense de mission, les villageois peuvent désormais saluer So. Révérence. Merci beaucoup, Constanta Valdor. Merci pour ton 6e mois. Remise de la sainte purification du soleil du sud. Et bah là, ça y est, il est 19h17. Même le coucher de soleil est plus tôt, tu vois. Et oui. Bonjour, So. Voilà, maintenant, vous pouvez saluer comme Valp So. Ouais. Des vagues de mobs plutôt intéressantes. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, forcément, c'est des petits mobs. Mais vous allez voir, il y a des mobs qui sont de plus en plus durs. Et va falloir voir aussi les faiblesses des mobs. Non, le jeu est bien réfléchi. Très, très bien réfléchi. Je me demande si ce soir, j'arriverai à aller jusqu'en bas de la montagne. Je me demande. Le truc, c'est que le jeu devient de plus en plus dur. Ça va, j'ai un peu joué, mais je vais pas jouer jusqu'au bout, évidemment. Donc là, par exemple... Ah, c'est pas tout de suite. Rendez-vous dans la tente. On va d'abord aller dans la tente. C'est ici qu'on va pouvoir améliorer certaines choses. Et oui. Bonsoir à toi, Moriadine. Merci. Bonsoir, bonsoir. Ne dis pas de sottises. C'est très poétique, ce jeu. Ça, c'est tout ce que j'aime du Japon. C'est vraiment la délicatesse à l'état pur. J'adore. J'avoue que je serais très... Enfin, j'aimerais beaucoup un jour assister à un théâtre japonais où, justement, je peux comprendre que nous, en tant qu'Européens, peut-être on n'y trouve pas forcément d'intérêt, mais je trouve que les danses comme ça... On peut le voir notamment dans certains animes. Je trouve ça tellement beau. C'était dans les carnets de l'apothicaire. Où justement... je sais pas s'il y en a qui connaissent les carnets de l'apothicaire. Mais tu suis justement une apothicaire. Qui est née dans un... Bon, oui, qui est née dans un lupanar. Et du coup, enfin, lupanar. C'est un lupanar japonais. Hein, où en gros, il y a des courtisanes, etc. Et justement, elle danse. Et c'est magnifique. Les danses, c'est vraiment très, 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 très beau. Donc les Tsuba. Les Tsuba, justement, c'est ce qui va me permettre de prendre, il me semble, des compétences. Ce sont des gardes katana sacrés qui renferment des pouvoirs uniques. En appuyant sur RT, vous pouvez donc utiliser votre énergie. En gros, c'est ma super attaque que je vais pouvoir utiliser. Comme de le film Inu-O, ça serait incroyable. Bah moi, j'aimerais beaucoup voir ça un jour, j'avoue. Donc là, bah, par exemple, certains Ikuku ont une jauge de résistance visible. Vous pouvez étourdir ces Ikuku en réduisant leur jauge à zéro grâce à certaines attaques. Voilà ce que je vous disais. En gros, les Ikuku, c'est trop dur à dire. Les Ikuku, ce sont les monstres qu'on combat. Il y en a certains qui vont avoir des faiblesses, d'autres des résistances. Et en fonction de comment on va armer notre sabre, bah, ça va forcément nous faciliter la game. Donc là, bah, par exemple, là, je peux faire en sorte que je vais faire de la flamme, tout simplement. La flamme de Suzaku. So donne 2 coups consécutifs au sol. Bien que cette attaque ne soit pas très puissante, elle se recharge rapidement et réduit la jauge de résistance. C'est parti. Donc on va évidemment la prendre. De toute façon, on n'a que ça. Ok. Vous pouvez regarder les Emaki obtenus en allant parler à Yoshio dans la tente, puis en sélectionnant la garde. Ok. Donc, là, par exemple, ici, ce sont nos items. Par exemple, là, j'ai un talisman qui me... par rapport à ma santé.
Je n'en ai pas d'eau, donc ça sert à rien qu'on regarde pour l'instant. Mais ce qui peut être intéressant ici, c'est les métiers des villageois. Pour l'instant, on n'a qu'un seul métier, c'est le bûcheron. Mais qu'on peut améliorer. Je peux améliorer. Hop, le bûcheron. Le bûcheron, par exemple, il a plusieurs compétences ici, sur la gauche. Bon, il y a ma caméra qui cache un peu, je suis désolée. Je vais juste la baisser un peu. Je pense que... Hop, on va la baisser là. De toute façon, on n'a pas besoin de forcément de regarder autre chose. Mais on va améliorer notre bûcheron avec ce qu'on peut. Par exemple, là, hop, je peux augmenter mon bûcheron un petit peu. Ah. Voilà, je crois que je lui ai donné un tout petit peu plus de vie. Donc mes différents bûcherons, ils seront un tout petit peu plus de santé. Ce sera déjà ça. Pour l'instant, j'ai pas forcément énormément. Donc ça ne sert à rien. Et du coup, voilà, à chaque village qu'on va réussir à purifier, on va retrouver des bases comme celle-ci qu'on va pouvoir améliorer. Et justement, en améliorant les bases, on peut en recevoir des récompenses. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer certains items. Notamment, alors on a ici, mais moi je vais favoriser les items qui me permettent d'améliorer mes persos. Donc par exemple, ici... Voilà, là, le Musubi, c'est ce qui me permet d'améliorer mes bûcherons et mes différentes unités. Donc je vais... Là, les villageois que j'ai réussi à récupérer tout à l'heure, qui se sont battus pour moi, je vais leur demander d'aller travailler ici. On va améliorer les bases. Pareil, on a la même... hop. On a la même récompense. On va sélectionner ça. Et on peut faire patte-patte sur les petites biches, si jamais... Voilà, il y a un côté très chill du jeu. Il y a de la peinture sous son masque, madame. Voilà l'amélioration, c'est ça. Tu récupères de la vie en te peignant. C'est pour ça que je joue... C'est pour ça que je fais du Warhammer. C'est pour allonger ma vie. Retourne à l'écran de sélection du niveau. Bah du coup, oui, parce que en soi, je peux accélérer le temps. Mais le temps que ça se passe... Ils n'auront clairement pas terminé, donc oui, on y va. On y va, on va essayer de faire un autre niveau, puis on reviendra à la base juste après. Donc c'est parti. Je sais pas, c'est peut-être pas une biche. Un Ikuku puissant semble se tenir plus loin. Préparez-vous au combat en utilisant les cristaux fournis par Yoshiro pour assigner des métiers aux villageois. Alors, justement. Donc on y va. On a de nouveaux villageois qu'on va former. Paf. Paf. Ah, j'en ai plus. Ah, j'en ai plus. Alors. Là, j'ai deux villageois, c'est cool. Je crois qu'elle m'offre... Elle m'en offre, hein, c'est ça? Elle m'offre des cadeaux? Ouais, elle m'en offre 200, nickel. Et même des rations, parfait. Bon, les rations, ça permet de soigner, hein. C'est logique, hein. Tac. Et voilà, maintenant tout le monde... Je peux pas faire grand-chose pour l'instant, hein, il me semble. Je peux rien faire. Mais là, tout le monde est préparé. Donc, let's go. On y va. Merci beaucoup, Aliatoriu, pour ton prime. 11 mois, oui. C'est très gentil. Non, tu peux garder ta facture de l'hôpital psychiatrique, j'en ai vraiment pas besoin. Dans IRL, voir des gens qui vont se battre devant toi en faisant ce genre de danse, ça fait un peu... Je sais pas trop comment on pourrait réagir. Il y a un petit côté... Bon. Malaisant, on va dire ça comme ça. Allez, let's go. C'est le AK de la Nouvelle-Zélande. Après, le AK, il est très intimidant, hein, de la Nouvelle-Zélande. Hein. En vrai, il est vraiment intimidant. Je me souviens la première fois que j'avais regardé du rugby, mais petite, et la première fois que j'avais vu du AK, ça m'avait vraiment fait peur, le AK. Alors, pour ceux qui connaissent bien le folklore japonais, voilà... Si vous connaissez le Gakin Yudo, il est très très beau. Allez, let's go. Ah merde, oui, c'est vrai. Il y a la putréfaction. Faut surtout pas marcher dans la putréfaction.
j'avais oublié ça. Ah. Bah, je sais plus, je crois qu'il faut que je peux dire à tout le monde d'aller attaquer. Allez hop, attaquer. Mieux. Vous pouvez ordonner aux villageois de défendre Yoshiro. Oui, parce que là, bah, du coup, il va y avoir tout le monde qui va arriver. Donc là, on va changer l'ordre. Je vais demander à tout le monde d'aller protéger. Et moi, je vais attaquer le boss. Je vais quand même essayer de nettoyer pour éviter que tout le monde... Hop. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres. Je vais redemander d'attaquer pour venir m'aider pour qu'on aille faire vite le boss. Ah, ok. Oula, 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 je suis dans la putréfaction, moi. Ah, ok, là, ça y est, ils vont redemander. Hop, on y va pour la défendre. Lorsque vous avez affaire à des ikoku particulièrement puissants, vous pouvez donner à tous les villageois d'attaquer en même temps. Oui. Du coup, là, c'est ce que je faisais déjà de base. Hein. Voilà, là, il est... Je sais pas si... Hop, si je le mets d'attaque de fin. En tout cas, il est dans un mauvais état. J'ai fait mon attaque spéciale hein, tout à l'heure. Oula, je sais pas ce qu'il va faire, là. Une attaque non gardable. Certaines attaques Zikoku ne peuvent pas être gardées par saut. Ah oui, là, je me suis clairement... ça m'a clairement fait mal. Hein. Oh, putain. C'est bon. Il est mort, non? Oh, il est mort. C'est bon. Allez, premier boss fait. Et donc là, on a récupéré les fameux masques qu'il faut qu'on récupère tout au long de notre descente. J'arrive un peu au milieu, quelqu'un a la possibilité de me faire un rapide résumé de ce que c'est. Alors, ce jeu, c'est un jeu de Capcom. Et on est dans un... En fait, moi je vais vous le dire avec mes mots, pour moi, il y a une similitude avec justement un Tower Defense. C'est un jeu où... L'histoire en elle-même, bon, la montagne, elle a été... Il y a pas mal de ikoku, donc des créatures du folklore japonais mauvais qui ont clairement envahi la montagne et qui sont en train de pervertir un petit peu tous les habitants et la faune et la flore. Et du coup, on a une prêtresse qu'il faut qu'on amène pour purifier toute la montagne et on essaye de descendre la montagne jusqu'en bas tout en récupérant les fameux masques. Les différents masques, des masques qui vont nous permettre de débloquer des unités. On est sur un jeu où en gros on va aller de cité en cité tout en descendant dans la montagne, de base en base, en fait c'est plutôt de sanctuaire en sanctuaire qu'on va purifier, et forcément plus on va descendre plus ça va être difficile, la difficulté va vraiment augmenter progressivement. À chaque sanctuaire on va rencontrer un boss qui va être pareil, de plus en plus difficile, et c'est un jeu qui même il y a un petit côté très tactique, stratégique, où en gros tu vas débloquer des villageois que tu vas améliorer. Pour l'instant t'as que des guerriers de type bûcheron qui font du corps à corps, mais progressivement tu vas débloquer, comme par exemple là on a débloqué l'archer, et tu vas devoir placer tes unités dans les sanctuaires pour pouvoir défendre les vagues en fait de monstres qui vont arriver sur la prêtresse, et ton objectif c'est de protéger ta prêtresse coûte que coûte. Évidemment, tu vas pouvoir améliorer ton perso principal avec certaines attaques. Tu vas pouvoir améliorer les différents villageois que tu vas réussir à recruter tout au long de ton voyage. En gros, on est plutôt sur ce type de jeu. Là, on est vraiment sur le tuto pour le coup. On est vraiment encore sur la base. Là, j'ai fait le premier vrai boss du jeu. Donc pour l'instant, ça va, il est assez simple. Mais on est là-dessus. Voilà, on a débloqué maintenant le bois de Kakashi. Des réparations ont été terminées, rendez-vous à la base. On va aller voir la base et on va récupérer du coup
des récompenses. Et si jamais vous voulez tester le jeu, vous pouvez totalement. Le jeu, il est en démo, donc vous pouvez totalement le tester. Si vous voulez avoir une idée du jeu avant, avant de le prendre. Ou sinon, tout simplement, vous regardez le jeu. Hein. Ça marche tout aussi bien. Hein. Vous pouvez regarder le stream. Hop. On a réparé la base. Donc voilà, la base va devenir toute jolie. On va demander à toutes ces personnes, oui, de travailler ici. Et donc, je vais pouvoir, maintenant que j'ai 15... Super, en plus, j'ai des récompenses. Pensez à visiter chaque base régulièrement pour récupérer, en effet, les récompenses. Donc là, je vais pouvoir améliorer mes villageois. Donc maintenant, j'ai aussi des archers. Donc les archers, c'est pareil, je peux améliorer, j'ai très envie, on va déjà leur donner de la vie. On peut se le permettre. On va faire quelque chose d'assez équilibré. Et là, augmente légèrement la puissance d'attaque. Pareil. Hop. On va améliorer la puissance d'attaque. On va prendre les bûcherons. C'est la même. Puissance d'attaque. Voilà. Comme ça, on a un petit peu équilibré. Merci, Siro. Merci infiniment pour ton avis à moi. J'espère que tu vas bien. Merci. Mais oui. Enfin, il n'est pas encore sorti. La démo n'est pas encore sortie du jeu, vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Moi, je sais que j'ai pu jouer aujourd'hui, mais je sais que le jeu, la date officielle, il me semble que c'est en effet le 19. Peut-être que la démo, vous pouvez le tester dès demain. C'est vrai que la date, quand on l'a vu sur la petite vidéo qu'on a regardée tout à l'heure, c'était le 19. Mais bah, du coup, demain. Du coup, demain. Donc là, ce soir, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder pour vous donner une petite idée. Et puis, si le jeu vous tente, n'hésitez pas. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà testé en off, ce jeu. Alors, je l'ai pas fini, hein. Je voulais le finir... Je sais pas si je peux le finir ce soir. J'ai aucune idée de la durée de ce jeu, pour le coup. Je sais pas, en fait, quand on va descendre la montagne. Je sais pas la durée du jeu en descendant la montagne. Je sais pas si le jeu se termine en descendant la montagne. En vue du lore et en vue de l'histoire, je me dis que c'est possible. Mais je sais pas si... trop ce qu'il en est. On y va. On continue. Bonsoir, ce PS5, elle est disponible. Oui. Ah bah tiens, sur le Game Pass aussi si vous voulez. Enfin, c'est vrai que c'est un jeu qui est multiplateforme, donc vous pouvez en trouver pas mal. Ouais, la montagne a l'air très grande. C'est pour ça que... Et comme le jeu monte en difficulté, je me dis que bon, t'as bien plusieurs heures dans ce jeu. Et Kayatala, merci beaucoup pour ton 32e mois. Ah, la démo est déjà accessible. Ah, tu me rassures, Foxus. Donc en gros, vous pouvez jouer dès ce soir. Ou pendant le stream. Ok. Donc là, de ce que je comprends, on a Mister. Elle, on va lui demander d'avancer. Ah, oups, je me suis trompée. Bien connaître votre environnement peut vous aider à combattre plus efficacement les Ikoukou. Préparez-vous au combat en consultant la disposition des niveaux sur la mini-carte, située en bas à droite de l'écran. Ou en appuyant, d'accord, pour ouvrir la carte détaillée. Ok, oui, c'est vrai. Donc là, on va juste la faire un peu avancer. On va récupérer les différents items un peu partout. Hop, des rations. On va récupérer ça. Les barrières permettent de bloquer l'avancée des Ikoukou, mais elles peuvent être détruites. Ok, on a une belle barrière. On y va. On va plus vérifier les différents endroits. C'est parti! Alors, on va lui assigner un métier et on va lui assigner notre premier métier, c'est-à-dire archer. Tac. On va lui dire de se positionner... On va se mettre derrière la barrière. Hop. On va essayer de trouver les autres villageois. Hop là. Ça, c'est très bien. J'espère que la nuit va pas tomber trop vite. Vous pouvez purifier les animaux touchés par la corruption en leur donnant des coups. Ah. Alors on est sur un niveau de maltraitance. Attends. Et voilà. Vous inquiétez pas, je purifie les animaux. Je purifie les animaux. Vraiment promis, je veux du bien aux animaux.
Hop. Et là, on va récupérer un bûcheron. Parce qu'un petit tank, là, ça va être utile quand même. Coucou. Alors, bûcheron. Le bûcheron, c'est pareil. On va le placer ici. Voilà. Ah non, c'était pas lui que je voulais. Bon, c'est pas grave. Sinon, on va les mettre côte à côte. Ah, c'était... Attends. C'est vrai qu'il faut que je positionne... C'est pas lui que je veux, c'est RB. Voilà, le bûcheron. Donc pour moi. Je me suis un petit peu trompée. Ok. Voilà. On y va. Il y a un petit peu tout partout. Voilà, c'est de la régulation de l'espèce. Oui, oui, oui. Bon, elle est toujours en train d'avancer. C'est vrai ce qui se passe. Elle est en train de faire des caresses. Ok, elle est en train de faire des caresses. C'est très bien. Je crois qu'il me manque juste... J'ai dû louper quelque chose. Je sais plus où il est. On est d'accord que j'ai loupé, hein. Oui, j'ai loupé. Juste que je récupère. Ça doit être en bas sur la carte. Je crois que c'est signalé sur la carte. Non? Alors, attends. Peut-être pas. Suis-je aveugle? C'était pas ce que je voulais. Faut pas que la nuit tombe trop vite. Ah, je me disais bien qu'il manquait quelqu'un. Ah, punaise. Ok. Hop, bûcheron. Super. On va le mettre ça ici. Voilà. Et il me manque juste un endroit à purifier que j'ai loupé. Alors, voyons voir. Ici, j'ai tout vu. C'est peut-être le dernier cercle. Ah, la salle. Oui. Tracer la voie spirituelle. Elle avance? Elle est bloquée par le... Tu veux pas te déplacer? Elle veut pas se déplacer? Je crois qu'on va avoir la nuit, là. Ah, je me disais bien. Ah, c'était celui-là, là. Let's go! Ça y est, là. On a la récompense. Juste avant que la nuit tombe, là. Vite, 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 vite! En équipe. En gros, là, ça va augmenter temporairement l'attaque et la vitesse des villageois. C'est parfait. Confirmé. Let's go. Allez! Ça y est. Alors je pense que c'est pas forcément une bonne idée de les avoir mis là. Ou je sais pas. On va voir. Donc là on a le bûcheron. On va mettre les bûcherons un petit peu en avant. Ils vont venir m'aider. Je vais mettre l'autre ici. Et... Donc ça c'est l'autre bûcheron ici. Et on va mettre l'archer... Là, comme ça. Parfait. Allez, avancez. On y va. Les chipakaki. Pour l'instant, encore ça va. Ah, oups. Et moi, je suis... je fais des erreurs. Je suis dans la putréfaction, donc je me fais mal pour pas grand-chose. Ah. Évidemment, ça va passer par les petits chemins. Regardez qui avance. Est-ce qu'ils s'en sortent? Non, ça va. On va le faire.
J'ai rien à faire, je fais tout le travail à leur place. On regarde bien. Ils arrivent. Ah, il y en a un qui a réussi à passer par là. Ça va, elle est protégée, la petite. J'ai presque envie de lui dire d'avancer encore. En fait, sur la map, ce qui est bien, en bas à droite, on peut voir au moins les montres où ils vont. Par exemple, là, hop là ! On peut faire même des attaques sautées. C'est ça qui est sympa. Eh ben super, on est sur le lever du jour. Let's go! Elle en a mis du temps pour avancer. Ok. Ah, oups. Et c'est parti. Je pense qu'on va devoir faire une deuxième nuit parce que le chemin il est très long. Et elle en met énormément du temps, la gamine. Ok, la voie elle a été toute tracée. Ok. Je pense qu'on a tout vu. Bon bah reste plus qu'à accélérer. Let's go. On va voir. Incroyable imitation des tambours. Ouais bah oui, je sais bien. Non mais même ça, les musiques, ça te met vraiment dans l'ambiance, c'est cool. Alors, je sais pas où on en est la nuit. Ok. Est-ce qu'elle va arriver juste avant? Oh! Alors là, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Genre, vraiment. Genre, c'est vraiment la pire chose qui aurait pu m'arriver. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Genre, là, elle est là. Et là, j'ai juste envie de lui dire recule, mais on peut pas. Donc, let's go. Maintenant, il reste plus qu'à attendre et à espérer. Tout en se faisant pas avoir par la putréfaction. Allez, on espère, hein. Le problème, c'est ça, c'est surtout pas marcher dans la putréfaction. Oh là là. Je peux soigner les gens, hein. Faudra que je fasse gaffe. J'ai vu là notamment, il était... Je sais pas comment il s'est fait... Bon, normalement, on devrait pouvoir tenir. Heureusement que ce sont des mobs, enfin, non plus trop fous. Putain, j'étais persuadée qu'elle allait pouvoir, à la limite, réussir. Mais bon, tant pis. Allez. Après, c'est pas si mal, hein, aux portes. Hein. Au moins, ils ont juste pas le temps d'aller prendre des chemins. Bah allez.
La nuit est bientôt finie. Ça y est, on est à 90 follow. C'est vrai? Ah, mais trop bien. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent, évidemment. Ça y est, on a les 90 000 follow. Il reste plus que les 100 000 follow. Donc là, il faut 10K follow, c'est ça? 10 000 personnes? C'est beaucoup. 10 000... Ça va être long. Ça va être très long. Mais on va pouvoir tenter les 100K, chat. Ça va être trop cool. En vrai, là, ça va. En vrai, en début de game, je me rends compte que mettre les bûcherons à la porte, c'est pas tant une mauvaise idée parce qu'au moins, ils ont pas... Ils se répartissent pas sur les petits chemins. Donc c'est très cool. Ça leur laisse aucune possibilité de, d'avancer. Vas-y. Là, faut juste qu'elle avance. Donc là, il reste plus qu'à... Et voilà. Ok. C'est vrai. Donc là, on purifie et je... Hop là, on reste au centre. C'est pas facile, je vous avoue. En vrai, c'est plus dur qu'on le pense. J'essaye de rester au début. Bon, en même temps, il n'y a pas de vie à récupérer. Hein, mais... Ah, c'est de la merde. Let's go. Il est beau, ce jeu. Hein. Oui, ça y est, bah, il est 20h presque, c'est normal. Nous sommes sur le coucher du soleil. Tracez la voie spirituelle. Allez, let's go. On va la faire avancer, là. Je me suis fait... Voilà, on va purifier les petites biches, là. On purifie les biches! Hop. Ah, qu'est-ce que c'est? Réparation des équipements. Ah oui, c'est vrai. Allez, let's go. On demande réparation et là, il y a tout le monde qui va bosser. Attendez, je veux juste purifier la biche. Let's go. Là, j'ai un autre bûcheron qui est de l'autre côté. Alors, on va demander à mes bûcherons de travailler ici. Peut-être que c'est un peu tôt de les faire travailler, je vous avoue. Comment on va se faire embêter? Je crois que j'ai vu un nouveau villageois libéré. Alors, toi, on va t'assigner le métier... Ah oui, mais j'ai pas assez de cristaux, alors attends. Je reviens immédiatement. Oui. Je n'en ai... Oui, il fallait juste laisser le temps. Hop là. Maintenant, nous avons un bûcheron. Ok. Oula, oula, on a une arrivée de biche, là. Attends, la biche, je pense qu'elle est pas loin. Elle est où, on va essayer de la voir. Ce jeu, c'est le conte de Montre tes cristaux. Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Je valide, je valide. Ah non, on n'a pas réussi à libérer la biche. On est une biche qui décide des... Ah, oh. Voilà. Ah, ça y est, ils ont réussi. Ça va, je m'y suis pris un petit peu en avance. Par contre, là, il va falloir que je me dépêche de fou, là. Parce que la nuit va tomber, là. Ok, la nuit va tomber. Donc, déjà, on va purifier. La biche est là. Elle a passé le portail. Je sais pas si c'est une bonne idée. En vrai, un début de game, c'est ok. Ok. On va vite
Ouais, mais il y a plein de petits animaux là qui sont malades. Ok, bon, c'est surtout. Ok, bon, là. C'est parti. On va y mettre. Donc. Un archer. Ici. Ok. Le bûcheron. Ici. Un autre bûcheron. Ici. Un autre bûcheron. Ici. On va faire la même. Parce que comme Yoshiro, elle est en train de bien avancer là. Je pensais pas qu'elle allait avancer aussi vite. J'ai vu des lapins, je crois. Hein. Faut que j'aille. Ici. Récupérer le cadeau. C'est pas là que je dois récupérer le cadeau? Je sais plus. Je sais plus où est-ce que je dois récupérer le cadeau. Je sais plus. Itoban! C'est la merde. C'est bon. Alors, toi, on va vite te soigner. Ça va, tout le monde est soigné. Ah, j'aurais dû. Peut-être deux archers. Parce que je pense. Hop! On va le changer d'archer et on va faire. Paf! Donc c'est lui que je veux et on va le mettre derrière. On va le mettre là. Voilà. Comme ça on aura plus d'archers. Et moi je me mets là en tant que guerrier. Ah oui, on peut mettre les archers en hauteur, j'avoue. Pour plus de logique, mais là ça va. C'est surtout que ils peuvent défoncer le plus de créatures possible pour éviter que notre petite prêtresse se fasse casser la gueule parce qu'elle est juste à côté. Et il faut surtout pas que j'oublie d'aller récupérer aussi mon item. Ça va, elle se fait pas attaquer. Ça va, tranquille. Ouais, c'est très original, ouais. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le jeu. Il est vraiment très, très cool. Puis, voilà, les mobs arrivent progressivement. T'as le temps de t'adapter, t'as le temps de comprendre. Non, il est cool. Il est vraiment cool, ce jeu. Très agréable. Hop, on va vite le soigner. Je regarde le soin de tout le monde, on est bien. Durant les premiers instants où ils apparaissent, les Ikoko ont recouvert d'une forme de corruption particulière qui les rend temporairement immunés aux attaques. Donc ça sert à rien de les attaquer. Juste attendre qu'ils arrivent. Et là, il y en a qui arrivent à passer, ce qui est un peu chiant. Mais normalement... Tout est placé d'une manière à ce que ça aille. Ouh, il y en a un qui a réussi à passer. Ouh, il y en a un. Ouh là là là. Ouh là là, bah oui, 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 oui. Ouh, sa mère. Ok. Ok. C'est pas ça que je veux. Ok. Ok. Bon, vivement que le jour se lève là. Elle s'est blessée. J'ai ma prêtresse qui s'est blessée là. Aïe aïe aïe. Allez, super, le petit jour se lève. Nickel. Allez, tranquille. Allez. Là, c'est bon. On a réussi. Je vais juste revenir donc en arrière. Déjà pour frapper la biche. Oh, oh la flemme. 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 Oh, merde, il me manque... il m'en manque un. Lequel j'ai pas fait? Lequel j'ai pas fait? Je crois que c'est là-haut. Oui. J'ai libéré
cadeau. Il est à moi. Il est vite, 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 avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Il est à moi le cadeau. Il est à moi le cadeau. Il est à moi. Ok. Nous avons une récompense de purification. Augmente légèrement la vie maximum des villageois. On a un emplacement. On va pas se gêner. Voilà. Après, on choisira évidemment les récompenses, et les items, les talismans, tout ça. Bon. Et ben, c'est parfait. On y va? On va essayer de la soigner du coup. Donc le fait de laisser elle essaye de mettre le rond plus au centre, ça soigne la vie de la prêtresse. J'espère juste qu'il me laisse jouer. Normalement il me laisse. Let's go! C'était peut-être après. Pareil, nouvelle base. De rien. T'as vraiment beaucoup aimé la démo, vivant demain? Ah. Bah écoutez, je suis contente pour ceux qui l'ont testé. Très contente pour vous. Alors, on va revenir à la base. Normalement, voilà, on a une petite récompense, donc hop, allons-y. Et on va pouvoir améliorer un petit peu... un petit peu nos différents guerriers. Ok. Donc, allons ici. On a plein de cadeaux. Pouf. Amélioration. Alors, les bûcherons, je crois qu'il faut coût en 10. Normalement, c'est bon. Et normalement, j'ai assez. Rafale tranchante. Oui. Et voilà. Mes bûcherons sont améliorés. On va faire encore plus de dégâts. Ça va, il y a même leur visuel qui change un peu. Ils deviennent de plus en plus solides. Ok. On va améliorer ça. Ok. Et je crois qu'on aura amélioré toute la base. On a le dernier bâtiment sur en haut et ça devrait être ok. Ici. Paf. Je sais plus ce que c'est que ces récompenses. On verra ça tout à l'heure. C'est pour ça que je les ai mis en dernier. Je me souviens que c'était pas forcément ce que je voulais. Hop. Alors, continuons. Ça, c'était le boss qu'on a fait, qu'on a réussi. Donc là, on a fait la base qui est là. On va pouvoir y retourner. Reconstruction en cours. Alors, là-bas, par exemple, la base ici, on est à 60%. On sera à 100% et on recevra une récompense de fin. J'ai hâte de... On va hâte de voir. Là, la base, je crois que j'ai rien à faire pour l'instant. On peut tenter de voir un peu, mais normalement, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir faire le deuxième boss. On va pouvoir faire le deuxième boss. Ouais, voilà. On a pas mal de choses à récupérer. Mais je crois que j'ai des nouveaux villageois. Oui, c'est ça. J'ai des nouveaux villageois, il me semble. Non. Dans chaque base, on a un villageois. C'est très bien. Je pense que là, malheureusement, il faut plus. On n'aura pas assez de mains. Bah, ouais, non. Oh, en fait, si. Vas-y, on va au moins récupérer ça. Et là, il y a besoin que d'un travailleur. Nickel. Voyons voir, on a là... Je crois que j'ai plus personne. Ouais. Ok. Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas assez de villageois. Ok. Donc ça, c'est fait. Je crois que qu'on aille d'une base à une autre, c'est un peu pareil. Mais on reçoit des récompenses. C'est parfait. On va faire le deuxième boss. Ça va être un peu plus dur, là, par contre. Là, ça va me demander un tout petit peu plus de skill. Oui, oui. Alors, ce qu'on va faire, je
pense qu'on va faire deux bûcherons. Et deux archers, ça me paraît très bien. Ou peut-être... Non, deux archers. Let's go. Merci Alkesh, merci infiniment pour ton raid. J'espère que vous avez passé un très bon moment de votre côté. J'espère que vous allez bien, évidemment. Que vous avez passé un bon stream. Nous, on est sur une découverte d'un petit... petit, je dis petit, mais c'est ma façon de parler. D'un tower defense, on peut parler, on peut dire ça comme ça. Où, en gros, on est dans un monde médiéval, dans le folklore japonais, où l'objectif, c'est de défendre une prêtresse pour qu'elle purifie la montagne. Et en fait, plus on descend la montagne, plus on rencontre des boss de plus en plus durs. Et il est sacrément sympa. Ou si jamais vous avez envie, évidemment, de regarder, de découvrir le jeu, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, faut pas hésiter. Ok. Merci Damaris pour ton 10e mois. Merci, c'est très gentil. Merci. Ils sont quand même... Le body horror chez les Japonais, ils sont assez forts quand même. Les différents... Ouah, voilà, je savais bien que j'allais me faire ouvrir. On est sur un niveau là. Ok. Je le savais. Il est très compliqué. Évidemment, ça me focus. Donc ce qui est bien, c'est qu'en combat, on peut changer du coup les... en fonction du boss. On peut changer... Donc là, on va demander à tout le monde d'attaquer, évidemment. Le truc, c'est que moi, je peux rien faire. Je vais juste demander à mes archers de... Ok, on va soigner. S'il pouvait ne pas s'approcher d'elle. Ah, super. Ah, il va attaquer. Ok. Bon, là, pas de chance. Je vais juste espérer que les... que tout le monde... Oh! Ok, allez, on est bon. Oh, waouh! Quel enfer! Vous n'avez plus de ration. Let's go! Allez, on est bientôt à la fin, là. Enfin, bientôt à la fin. Faut pas qu'il l'attaque, j'essaye d'aller loin. Ok, là il me focus, heureusement. Heureusement que les boss me focus plus que la prêtresse. Allez, hein, je compte sur vous. Hein. J'ai plus de ration. Ah oui, bah, je me suis rapprochée de elle. Oui, c'est de la merde. Le problème, c'est que... Ah, super. Je vais mourir. Ah là 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 là, je pense qu'on va devoir commencer. Vas-y, tirez. Des merdes. Je vais mourir. Je fais de la merde. Et ouais, il va encore me focus. Allez, tirez. Super, elle tombe. Et merde. Faut pas que je meurs là-dessus.
Tirez! Tirez! Tirez les villageois! Tirez! 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 C'est la merde! Tirez! Oh putain! Tirez! Tirez! Très bien. Eh ben, j'y croyais pas. Bon, les villageois, vous êtes presque tous ouais, dans un sale état. Ouais, j'ai pas été la meilleure. Allez, récupérons ce masque. Il y a une P2, mon dieu. Imagine. Passé maître dans l'art de la capture de démons, l'asset crée une barrière qui ralentit temporairement la vitesse de déplacement des démons. Ok. Très bien. Très bien. Let's go. Let's go. On va revenir à la base. Parce que normalement, on va pouvoir récupérer nos petites récompenses. Après, c'est possible qu'on ait des P2, tout ça, tout ça. Et Kerat, je sais pas si je t'ai remercié, mais merci beaucoup hein, pour ton sub, évidemment. Merci. Hop, récupérons les... Tout ça. Oui. On va avoir un beau cadeau. On va réparer la base. C'est là. Alors, tous les travaux donc de réparation de cette base ont été effectués. Rendez-vous près de Yoshiro pour recevoir la récompense. Et moi, tu ne m'as pas remercié. Mais je te remercie tous les jours d'une manière muette, Oursabia. Ah, on augmente la vie de Yoshiro. En fait, elle se fait un cadeau à elle-même. C'est quelque chose. Bon, là, on n'a pas assez pour améliorer qui que ce soit, malheureusement. Ça ne sert à rien. Par contre, ici, donc, on a réussi à mettre ça. Voilà. Donc, augmente temporairement l'attaque des vitesses du villageois. C'est très bien. Et pour l'instant, on ne peut rien faire. On va voir. Ok. Donc, on va aller dans la base ici aussi. Normalement, il y a dû y avoir quelques petites améliorations sympas. Je vais demander à des gens de travail. Ah, ils sont pas dispo. Ah, ils ont pas fini. Ah, c'est possible qu'ils aient pas fini. Ah si. Non, faut juste que je récupère, c'est vrai, les récompenses d'abord. Oui, c'est ici. Voilà. On a toi qui es là. Et je crois me souvenir que j'ai demandé à quelqu'un de travailler je ne sais où. Tellement à faire. Regardez, il y a un Shiba. On peut caresser le chien. On peut lui faire patte-patte. Faire patte-patte. Voilà. On a fait patte-patte au chien. Pas de villageois disponible ? Ça m'étonne, pourtant j'ai tous ces villageois. Je suis étonnée. Vraiment personne n'est dispo ? Ah, je me disais. Voilà, on va récupérer ça. Je pense qu'on peut faire une amélioration. Et voilà. Parfait. Bon, et on va récupérer la récompense ici. Ok. Je peux faire une amélioration, les archers justement. Et on va faire augmenter la fréquence de tir et permet l'utilisation de flèches enflammées. Let's go. Petite amélioration. Merci beaucoup mon Drake Master pour ton 12e mois ici. Oh, un an. Et de niveau 2 en plus. Merci beaucoup pour le niveau 2. Merci, c'est très gentil. Et oui, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, évidemment, si le jeu vous intéresse. Vous pouvez faire point d'exclamation KG
et vous pouvez découvrir le jeu et vous pouvez tester la démo dès à présent, vous faire une petite idée du jeu, ou bien regarder le stream. Ça aussi, c'est fortement conseillé. Donc là, on a un nouveau métier. Un lancier, principalement. On va pouvoir le tester. On va aller dans un autre village. Coucou Igami, j'espère que tu vas bien. Ouais, un petit Shiba. Il n'y a pas de dégâts cocker, je suis... Quoi ? Il n'y a pas de dégâts cocker, je suis dessus ? Tu veux dire qu'il n'y a pas de cocker ? Normal. La route menant au sanctuaire traverse cette caverne aussi sombre que l'air y est glacial. Elle a été considérée autrefois comme le repère d'insectes nuisibles qui s'attaquaient aux villages voisins. Sauvez les 5 villageois et faites à nouveau briller la lumière au sein de la caverne. Allons-y. On va voir un petit peu. On va demander... On va faire un petit passage. Let's go. T'as mis ce clic ? Moi, que tu me parles de cocker, ça me va, hein. Oula ! Ça fait partie de mes chiens préférés. Hop, on va demander à notre acolyte d'aller réparer la porte. Là. Super. Donc là, on a 2 villageois. Il en faut juste qu'on en trouve 5, c'est ça ? C'est joli. C'est mignon les environs. 3e villageois. Vous pouvez demander aux villageois d'allumer les lanternes afin d'éclairer les environs. Oui. Sauf que ils sont tous occupés. Là pour l'instant. J'avoue que je pourrais éclairer les lanternes à leur place, mais bon, il me semblerait que ça ne soit pas trop d'actualité. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'ils se dépêchent en vrai, parce que je peux pas faire grand-chose. Réparation terminée, ça y est ? Ah non, c'est le camarade qui a fait le fameux portail. Ouais, il a fait le portail. Ok, c'est bien. On va pouvoir se défendre sur le côté. C'est vrai qu'il fait sombre dans cette grotte. Ils y sont presque. Ils ont presque les villageois. Dépêchez-vous! On a une guerre à mener. Ok, toi. On va faire bûcheron. Atsu. Atsu sera un bûcheron. Toi, tu seras un archer. Je vais demander à quelqu'un, hop, de travailler. Toi, tu seras un bûcheron. On verra la 3e unité, ce que ça donne plus tard. 4e villageois. Très bien. On va te faire en archer pareil. Hop. On va demander à quelqu'un d'allumer. Alors, ici c'est pareil. Il nous faut quelqu'un qui allume. Je crois qu'on est. Ça va être bientôt la nuit là. Va falloir que je me dépêche. Et on va lui demander de ne surtout... Arrête ! Alors, on va lui dire d'arrêter de ne pas se déplacer. C'est parti. Donc, à partir de là, il nous faut un archer. Ici, un autre archer. Je dirais, en vrai.
La porte, elle est là. Donc en vrai, un archer. Ici, je reviens sur cet archer qu'on va mettre. En vrai, je peux peut-être la mettre... Ici, c'est pas si mal. On va mettre les guerriers. Là. Et un autre guerrier, ici. Après, hop, peut-être si on allume un peu le tout. Ça va peut-être nous aider quand même. Il me manque... Merci beaucoup Coffefe, merci pour le raid. J'espère que vous allez bien, bonsoir à tous. Il me manque encore un villageois que j'ai pas réussi à trouver. On en a 4, ça devrait bien se passer. J'espère que vous avez passé un bon stream. Surtout, n'hésitez pas à nous dire sur quoi vous étiez. Nous, on est en train de faire une découverte sur ce jeu de Capcom. N'hésitez pas à faire 4G dans le chat si vous voulez tester le jeu et avoir une petite idée de ce que ça donne. En tout cas, bonsoir. En tout cas, bonne fin de soirée, évidemment, à toutes les personnes qui arrivent. J'espère qu'il fait pas trop chaud par chez vous. Bien que vous avez la possibilité d'avoir un petit peu de frais, d'une manière ou d'une autre. Hop. Je viens de tester, il est incroyable. Eh bien, je sais pas où vous, la démo vous mène. Mais ouais, le jeu est génial. Le jeu est vraiment très très bien. Un MMO coréen ? Ah, c'est ça que testait Coffefe ? Trop trop bien. Bah écoute, en tout cas j'espère que t'as passé un très très bon stream. Merci beaucoup encore pour le raid. Mais là le jeu est très bien. Petite tower defense où la difficulté augmente, je vous le conseille. Hein. Ah, ta 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 ta. Ah, tu testes aussi Kunitsu, Coffefe. Trop bien. Non, il est vraiment cool. C'est un très bon jeu. Ça me fait plaisir d'avoir des collaborations commerciales aussi, aussi cool. En plus, c'était, on a vu la vidéo making of de la création du jeu. C'est amusant. De voir toutes les inspirations justement du folklore japonais qu'ils ont mis dans tous les détails, dans les tenues, ne serait-ce que dans la musique, dans la danse, très théâtrale, des attaques, non, vraiment. Tout a été hyper bien travaillé. Voilà, là on a notre petite... les protéger. Pendant qu'ils sont juste en train de travailler... Ah, mais oui, c'est vrai que les gens peuvent passer par là. C'est vrai, ça. Je sais que c'est pas bien là, ce que je fais. Faudrait que je retourne en bas. Il y en a un qui attaque par là, en arrière. Hop. Ouais, c'est bon. J'avais de quoi leur faire confiance. Il me manque quand même un villageois. Je me demande bien où il est. Allez. On en a plus, là ? Ça y est, c'est le lever du soleil. Ok, on va pouvoir... On va lui dire dépasse-toi. Déplace-toi. Hop là, go purifier la porte. Alors, il me manque juste une zone à trouver. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé ? On a purifié cette zone, ça c'est très bien.
Je dois avoir une autre zone que j'ai loupée. Et ça m'attriste fortement. Quoi ? Je demandais à quelqu'un ici d'allumer. Parce que là, si je regarde bien, il m'en manque juste un. Ah non, faut juste savoir où c'est. Hop, on va demander à quelqu'un pareil d'allumer. Allumer le feu. Ouais, non, je sais pas. Pourtant, j'ai l'impression de tout voir. Il m'en manque un, hein. Mais pareil, le villageois, il en avait cinq. Il me manque un villageois. Où est-ce que ça peut bien être ? Non, je ne pense pas pouvoir aller ailleurs que les endroits où je vais. Il y a peut-être un délire où il faut que j'allume toutes les lumières. Je me demande. Le truc, c'est que là, on arrive à un stade du jeu où elle va ouvrir la porte. Là, j'ai allumé toutes les lumières. Est-ce que ça aurait pas débloqué un endroit secret, je sais pas. Ça perd les poupettes, hein. Ah, ça y est, elle a débloqué la zone. Ah, vous l'avez vu ? Merde ! C'est un peu du troll. Quoi ? Comment ça ? Attends, mais je suis vraiment... j'ai vraiment pas vu. C'est, premier degré, je n'ai vraiment pas vu. C'est où ? Attendez, je suis vraiment aussi aveugle que ça ? Attends. Juste en face. Comment ça, juste en face ? Juste en face de quoi ? Le problème, c'est que l'indication juste en face... Ah, là, ici, là ? Ah, si, c'est bon. Ok, j'avais pas vu. Mais bon. Let's go. Par contre, il y a quand même un cinquième villageois qui me manque. Malgré tout. Hop. Ah, il y a de la fumée qui dépasse du rocher. D'accord. Et voilà. Ok. On va l'équiper. Là, ça nous augmente notre vie. Pourquoi pas ? Ok, on a tout allumé. Alors, je regarde un petit peu partout. Bon, le cinquième villageois... let's go. Hein. Il sera libéré. Ah, oula, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Bon, après, je crois que ça soigne la vie de la prêtresse, mais... en soi, je m'en fous un peu. Allez, on va pouvoir continuer. Donc, excusez-moi, je vous ai tous à côté de la prêtresse, du coup ça m'emmerde. On a le coucher de soleil là, je crois. Mais le truc, c'est que ça y est là. Eh, protéger Yoshiro, c'est bien ce que je pensais. C'est que là, il y a des monstres qui vont arriver. Ah, on a un nouveau monstre. Oula. Alors, j'ai pas eu le temps de voir comment la zone était faite, mais ce qu'on va faire, c'est. On va mettre des archers ici.
Et là, on va espérer, hein. Oula. Les Ikuku qui ont été renforcés par l'incantation d'un Rosukuro ont une puissance d'attaque et une vitesse de déplacement bien plus importante. Ça. Ouais. Let's go! Ça a donné plein de points là. Ah, j'ai trouvé le dernier. Ça y est, j'ai trouvé le dernier villageois. Ok, super. Je peux pas le purifier pour l'instant. Ok. Et ben on va gérer la nuit. Comment ça t'as skété? Comment ça t'as skété? Ah mais oui, t'as skété! Non, vraiment t'as skété! Ah oui! Ok, comment il est arrivé? Il est arrivé par ce chemin là. Ok, on va la jouer autrement. Comme j'ai pas eu le temps, on va aller ici. Ok, là. Et on va mettre ça ici. On va reculer. Comme ça, on est proche d'elle. En fait, il y a un chemin qui mène ici. Ah ouais, en fait, ils ont réussi à passer par là. Ok, d'accord. Comment ça se fait qu'elle se fait attaquer? Je me demande bien. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui passait par. Mais oui. Mais putain! Ah oui! Ok. Ils passent tous par là. Ok, ça va pas du tout. Ok, on va changer de. Ok. Bon, on va en mettre du coup plus ici, hein. Juste à côté d'elle, hein. Je vais me mettre derrière. Alors, vraiment pour la protéger, parce que je vois pas comment on peut faire autrement. Comment ça, t'as skété? Ah oui! Ok, doit y avoir un passage. Bon, au moins on est là, ça va le faire. Ah, ça y est. Ok. Allez, on y va. Ah merde, c'est pas la bonne attaque. Ça, c'est pour mes villageois, mais... Ok, super. Là, ils vont trop vite. Ça, c'est parce qu'ils ont été boostés. Putain, déjà. Alors, normalement... On a un stade du jeu où... Je l'ai quand même vachement protégé. Il devrait y avoir aucune raison qu'elle se fasse attaquer. Ok. Bon, compliqué, hein. Arriver dans une zone alors que la nuit se déclenche, c'est chaud. Hein. Et bonsoir à toi, Kne. Bonsoir. Bonsoir ceux qui arrivent. Hop là, on va demander réparation, évidemment. Hop. Oui, ça va. Ah, de toute façon, on est en début du village, donc en vrai, c'est pas non plus si compliqué. C'est ok. Je vais demander... Alors, oh putain, il faut les 5 villageois. Alors, on va aller justement libérer le dernier villageois. En attendant, je vais demander à tout le monde de venir. Et ce que je vais faire, c'est... On va voir ce que ça donne avec l'asset. Hop.
Là, on va allumer. On a le temps encore. En train de réparer. Donc là, normalement, hop, je peux demander à tout le monde d'arriver. 5 sur 7 devrait y avoir ici. Voilà, là, il y a un arbre justement à purifier. Donc il y en a un dernier qui me manque. Allô ? Dans cette nuit noire. Avancez. Je suis très aveugle, je le sais. Ah, je crois que je l'ai trouvé, ça y est. Il est là. Let's go. Parfait. Et là-bas, reste plus qu'à attendre qu'ils travaillent tous. Normalement, j'ai demandé cet ordre assez tôt. On devrait pas devoir subir la nuit. Peut-être qu'elle va avancer assez vite. Pas sûr. Je suis en train de me tâter de l'arrêter. Je me demande si... Ouais, on va voir. Il y a un monde où il faut que je m'arrête. Hein. Bonsoir ceux qui arrivent, évidemment. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pour cette découverte d'un très bon jour. Let's go! À moi. Nickel. Donc on a les 5 villageois, déjà bien. Alors quel serait cet item? Donc là on a saut, s'élance dans les airs et se téléporte aux côtés de Yushiro. Au moment de l'envol comme de la réception, une onde de choc inflige des dégâts à Ikoku situé à proximité. En gros c'est si jamais elle se fait attaquer. C'est un bon item, j'avoue. Bon j'hésite là, elle a bien avancé. On accélère et on espère. Sinon, pour la protection, vas-y. On va en mettre. Donc la 7. En plein de vent. Évidemment, les différents archers à gauche et à droite. Hop. On va se mettre là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais on va... Je pense qu'elle va jamais finir... Ok, bon, je vais lui dire d'arrêter, ça sert à rien. Là, on est... on va se faire attaquer. C'est évident qu'on va se faire attaquer. On va essayer de soigner les gens. Parce que je vois qu'il y en a qui sont... ça va, ça va. Oui, bon, ça va, on va pas les soigner tout de suite. On va pas... On va faire gaffe, quand même. Ok. Ok, c'est bien. Ok. On reste plus qu'à attendre, hein. On espère que normalement elle le crit à ce qu'était la petite Ikoku. Ah ok. Super, on l'a tué avant qu'il donne les bonus à toutes ces créatures. Parce qu'il est vraiment chiant. Il donne rapidité et les démons du coup font beaucoup plus de mal. Ça aurait été très très chiant de le laisser passer. Il est super jouissif hein, ce jeu hein, quand même. Hein.
Les coucou, c'est les démons, ouais, c'est ça. J'appelle ça les démons parce que je t'avoue que... C'est plus simple pour moi de dire démon parce que Ikoku, c'est un peu dur à dire. Et là, je suis dans la putréfaction, donc on se fait mal. Malheureusement, je peux pas trop le toucher, là. C'est, on n'est pas du tout bien placé. Même moi, là, je suis... Tout ce que je peux espérer, c'est... C'est de la merde. Bon. Ok, super. Là, normalement, on devrait avoir le lever du soleil. Ça va. Ils récupèrent leur vie progressivement, j'ai l'impression. J'avais l'impression qu'ils récupéraient leur vie. Bon, ils vont plus attaquer. C'est sûr. On a du tout tué. Ok, ça va plus venir. Je me demandais si je pouvais accélérer le temps, mais non. On est quand même vraiment obligé d'attendre le lever du soleil. C'est bon! Let's go! Liberté! Vas-y. Quatrième jour dans la caverne. Maintenant on avance. Au petit matin. Allez, on va essayer. Let's go. Le niveau de vague augmente au fur et à mesure des jours qui passent, c'est ça. J'ai pas eu cette impression parce que j'ai jamais dépassé 4 jours, comme là. Mais plus tu vas aller de sanctuaire en sanctuaire, plus il y a des mobs qui vont se rajouter. Et plus va y avoir, les vagues vont devenir de plus en plus conséquentes. Là, on est au troisième sanctuaire. Sur, je vous avoue que je sais pas combien il y a de sanctuaires, mais sur une, je pense, une bonne cinquantaine de sanctuaires. Je pense qu'il y a pas mal. La montagne est très très grande. Hein, le temps qu'on descend la montagne, là, vous voyez, on est qu'au début de la montagne. Il y en a 3. On a tout ça à descendre. Voilà. Et je pense qu'il y a des sanctuaires vraiment partout. Vraiment, vraiment, vraiment partout. Hop, on va faire toutes les bases pour récupérer les items. Mais oui, une version physique, mais il y en a pas. Ah, peut-être un jour, à voir. Je sais pas s'il y aura une version physique. Ah, comme tous les jeux, hein, en vrai, j'ai envie de dire un peu. Hein. Hop. Ah, t'as pas eu le même troisième niveau ? Ça m'étonne. Ah ouais? C'est étonnant ça ce que tu me dis. T'as eu quoi comme troisième niveau, Gainsleif? Alors là, normalement, je devrais avoir des gens. Pas de villageois disponibles. C'est amusant ça. Ils sont quand même encore occupés. Tiens donc. Hop. Alors... Moi, c'était dans la neige. Ah, je suis étonnée. Étonnée que ça soit aléatoire, pour tout te dire. Mais peut-être. Regardez, il y a un petit cochon. Waouh, on obtient un wagashi. Wow. Ça va me donner envie de manger japonais, moi, ce soir. Je vais avoir envie. Je veux manger des mochi. Ça va finir en livraison de sushi, tout ça, là. Hop. Bah, il restera plus que la maison à réparer à la fin. Et la base est bonne. On va aller ici. Ok. On va aller améliorer l'asset. Voilà. Donc, on va augmenter sa vie. Comme ça, il sera un petit peu plus résistant.
Parfait. On n'a rien à faire, on a les items ici qu'on a changé un petit peu, on a laissé donc là diminue légèrement les dégâts infligés à saut par les Ikoku. Donc j'ai moins mal. Je sais pas ce que j'ai d'autre comme item. L'item c'était ça, m'augmenter ma vie. Augmente légèrement la vie et je crois que j'ai rien d'autre. Donc augmente légèrement la vie de Yoshiro. Bah normalement, le but, c'est qu'elle soit pas touchée, donc j'ai envie de vous dire, bon. Les villageois peuvent désormais saluer So. Ah, attends, attendez. Donc en gros, si je vais voir un villageois... Je sais pas trop à quoi ça sert, en vrai. On va le garder. Je suis curieuse. Maintenant, les villageois peuvent me saluer. Ouais. Je vois. Allez, donc partons. Ah, peut-être qu'il y a de l'aléatoire. Moi, pourtant, quand je l'ai fait, c'est... je l'ai fait plusieurs fois ce jeu. Et j'ai toujours eu la même chose. Peut-être que j'ai juste pas eu de chance, mais. Entrons dans la base. Il y avait 7 villageois aussi, mais plein d'ennemis d'élite différents. Peut-être que t'avais mis. J'ai pas l'impression qu'il y a un niveau de difficulté dans ce jeu. Je pense pas. Alors, vas-y, on va libérer ici. Hop. Et voilà. C'est très bien. Non. Voilà. Let's go! Allez, libérer la grotte. Bon. Ok. Là, normalement, c'est bon. On va quand même aller dans la tente. Je crois que je recevrai aucune parce que je suis au max de mes récompenses. Donc je peux pas en avoir plus. On y va. Oui. Ça change des jeux qu'on a en ce moment. Il est très bien. Alors faisons le troisième boss. Parfait. Bon, évidemment, je peux récupérer, mais ça sert à rien. Enfin, si, en fait, non, c'est si, bah voilà, et des rations, donc ça ne sert pas vraiment à rien. On y va. Je vais me faire ouvrir. Ah oui, la zone, elle est comme ça. Ah, super. Ok. Ah, mais j'ai un quatrième villageois, j'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais un quatrième villageois. Hop là. Enfin, j'en ai cinq. Ok, la zone est un peu infernale, j'avoue. On va mettre ça là. Ici. Ici. Et là, l'idée, c'est un peu protéger. Ok. Et moi, je vais avancer et puis on verra. Hein. Au moins, ils ont une zone de base autour d'elle. On va voir. Mais ouais, les zones vont devenir aussi de plus en plus compliquées. Ah, lui. Lui. Lui, lui, Licorias, lui. Elle est la merde. Bon courage tout le monde! C'est la merde. Je vous le dis, c'est la merde. Je sais pas où il est, mais c'est la merde. Il est là.
Ouais, on va devoir recommencer, je pense. Hop là. Bon, je me... Ok, super. Allumez les lumières. Voilà, il faut taper sur ces petites protubérances. Genre maintenant. Attaque. Plein la gueule. Hein. Qu'est-ce qu'il est compliqué celui-là. J'ai pas assez de soins. Ok, elle se fait attaquer. Oh, sa vie, elle baisse tellement lentement. Vas-y, on va le soigner. Ok, on va aller défendre. Parce que du coup, comme il a lancé ses petites chenilles. Il est chaud. Hein. Ouais, il m'a encore tué. Et je crois que... Je peux revenir. Oh là là, il y a... Par contre... Du coup, ça va être quand même un peu compliqué, hein. Défendez-la! Non! J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu sur le mille pattes. En même temps, il est dur celui-là. Hein. Allez, on va essayer de se le retenter.
Ouais, la vide descend vraiment doucement. On va réessayer. Hop, oui. Réessayons. Je sais pas où est-ce que j'apparais. Oui, on va changer l'équipement. On va faire la flamme de choc. Ça peut être intéressant. L'onde de choc avec les larves, ça peut être pas mal. Sinon, je tente avec le feu. On va tenter avec le feu. Oui, on va changer. On va voir, on va tenter. J'ai allumé toutes les lanternes. Bah, ça aide dans le sens où ça permet de voir où on en est. Pas sûr que ça aide, ça. Vas-y, on va faire plein de bûcherons pour faire masse de dégâts. Je vais faire masse de bûcherons plutôt. Avec un archer quand même pour attaquer si jamais il est dans les cieux. On va récupérer les ressources. Et on tente. Ouais, mais tout est déjà allumé. C'est que c'est quand il arrive, ça éteint tout. Et voilà, en fait, toutes les lumières s'éteignent. Oh là là. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui fait mal surtout? Ok, super. Let's go. Ah, le feu, ça a l'air de lui avoir fait beaucoup de dégâts. C'est parti. Ah ok, faut qu'on aille défendre Miss Tinguette. Ah, sa mère. Ah, il m'enroule ce con. Ok, je me soigne. Yoshiro, elle se fait attaquer. J'espère pas. Dégâts.
Oh. Oh non, Yoshiro. Ok. Ok, faut vraiment la défendre là. Putain, Yoshiro. Oh putain, Yoshiro, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des lavres? Non, 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 non. Putain, mais mes défenseurs, ils servent à rien. Oh là là. Yoshiro. Ok, Yoshiro est morte. Ah! Bon, on a la bonne technique, mais putain, la défense de Yoshiro, c'est difficile, hein. La défense de Yoshiro, elle est difficile. On va réessayer, mais au moins on sait comment faire. Bon, en effet, il faut allumer toutes les lumières, et puis après, du coup, il a cette protubérance qu'il faut frapper. Je pense que je vais changer. Alors le feu, j'avais l'impression que ça faisait quand même pas mal de dégâts. Mais maintenant, vu que la défense de Yoshiro, elle a l'air nulle à chier, je me demande si je vais pas tenter ça, mais je peux le faire qu'une fois. Non, je vais garder les flammes. Valider ce changement. Ouais, on va valider. Je vais prendre que des bûcherons. On va prendre que des bûcherons qui attaquent. Faut juste que je repère les larves et quand il y a les larves, je moi-même, personnellement, je me débarrasse des larves. Et normalement, ça devrait aller. Ça devrait être la bonne. Et merci Knuble pour... Knuble, merci beaucoup pour ton 29e mois. Il est bizarre, ce mille pattes. Il est bizarre. Allez, let's go. Vas-y, on va passer la cinématique, on la connaît par cœur. C'est parti. À côté d'elle, c'est infernal. On est tellement mal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à pas l'attaquer les bûcherons? Ils font quoi? Elle a pas l'attaquer les bûcherons, ils sont juste en train de courir. J'ai l'impression qu'ils attaquent pas du tout. Ok. Là ils vont défendre. Ils vont défendre et on va la défendre. Bah évidemment, ça me focus. Là, il faut que je vois les larves. Ok, c'est parti. On commence. Avec un peu de chance, ils vont pas attaquer la prêtresse. Des larmes. Ok, il y a des larmes. Oh putain! Yoshiro s'est fait attaquer. Oh merde. On va attaquer et moi je vais essayer de... Et il est en train d'augmenter. Ça
C'est dommage, on a loupé une occasion de... Oh merde. Ok. On va défendre. Ah là là, là 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 là. J'espère qu'il n'y a aucune lave qui laisse passer là, les autres. Le fait qu'elle soit mid-life, ça me plaît pas trop. Ok, allez, on va commencer. Ok, il me cherche. Faut juste qu'il me... S'il peut continuer à me chercher, mais... Pas avec elle dans les parages, ça serait nickel. Et merde. Oh, oh, shit. Mais je suis dans la merde. Je vois rien. Il est en train d'invoquer des larves. Ouais, merde. Ok, il est en train d'invoquer des larves. Ok, on va maintenant attaquer. C'est parti. Ouais, le feu, ça fait beaucoup de dégâts. On va pas la voir. Vite. Je vois rien. Tu es là. Mais tu es là, vite. On va la voir. Oh. Let's go, le mille pattes. Bon. Eh ben, ça a été compliqué, mais on l'a eu. C'est ça qui est beau. Allez. Ouais, first try, ouais. Le voleur est un spécialiste de la recherche de trésors ou du crochage de serrures. Pendant la journée, vous pouvez l'envoyer chercher les trésors enfouis, mais la nuit venue, il s'enfuira pour échapper au combat. Ah, ça c'est une mécanique qui va être intéressante. Cool. En gros, tu te prives d'un soldat, mais tu peux recevoir des items assez sympas. Cool. Allez, c'est parti pour le village d'Enri, donc le 4e sanctuaire à libérer. On va aller voir là-bas, dans cette base-là. On va aller récupérer notre petit... On va récupérer nos récompenses. Ok. Ok, il y a des trucs à récupérer, mais... Temps nécessaire. Nombre de travailleurs 3. J'ai jamais compris. Ah si. Ah mais j'avais pas compris, je crois. En fait, ok. Autant pour moi. En gros, il faut que je cherche les planches. Et quand tout le monde a les planches, je peux les faire travailler dans la maison. Par exemple, là, voilà. J'ai 3 personnes qui ont des planches. Et là, maintenant, ici,
Hop, je peux leur demander, tac, tac, tac. Oui, de réparer la maison. Je comprenais pas à quoi ça servait en fait. Hop, on a récupéré. Je dois avoir quelque chose où je suis passée à côté. Un petit lapin ? Petit lapin qu'on caresse ? Donc là, la maison, et je crois que tout a été fait. Il ne reste plus qu'à récupérer les récompenses. Oh, je vais pouvoir tellement augmenter et améliorer mes soldats, ça va être trop bien. Oh, du petit gâteau! Miam, 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 miam. Alors, donc là, on a le voleur qui est ici. Je vais améliorer les bûcherons. On augmente grandement la vie maximum. Vas-y. En vrai, je vais augmenter mes bûcherons. Et là... Oh, ah, je peux pas. Augmente grandement la puissance d'attaque. Tant pis. Je vais à la place augmenter mes archers. Voilà. On va rester là-dessus. Comme ça, ça sera bien. Ok. On est déjà bien. Bon, bah c'est super. Ouf. On va aller voir l'autre base aussi. En tout cas, bonjour à tous ceux qui arrivent, évidemment. Bonjour, bonjour. Salutations. On va aller dans la base. Ah oui, la petite caverne, évidemment. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oula, je suis en train de caresser un serpent. Non, non, mais j'ai pas forcément envie. Oui, je parle à vos animaux. Non. Les danses des attaques spéciales deviennent étincelantes. Oh. Je peux l'équiper. Vas-y. Maintenant, ça devient étincelant. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est devenu étincelant. Let's go. Putain, je pensais pas qu'il fallait autant de travailleurs pour cet endroit. Voilà. Super. Bon, on a trop. Ok. On a vu chaque village. Ouais, faire de la lumière dans le noir. Oui, c'est vrai, oui. Il y a un peu de ça. Ah, oups. Oui, j'ai mis ce clic. Allons dans le village d'Henry. Il donne quoi, ce jeu ? Eh ben, c'est un bon jeu de style Tower Defense où en gros, bah, le principe hein, même du jeu, c'est que t'as une prêtresse, enfin t'as une montagne qui a été corrompue par les Ikkoku, donc les démons du folklore japonais, et t'as la prêtresse qui essaye d'aller de sanctuaire en sanctuaire tout au long de la montagne pour aller descendre jusqu'en bas pour essayer de la purifier de ces démons. Et donc forcément, tout en essayant de récupérer des masques du coup, qui ont été volés par les démons, les sanctuaires, en fait, t'as des vagues de monstres qui deviennent de plus en plus compliquées. Tu débloques également des villageois avec des compétences différentes, avec des classes différentes. Donc pour l'instant, tu commences avec un tank du type bûcheron. Après, t'as l'archer, on a eu le voleur, etc. Et t'enchaînent les différentes unités. Et c'est vrai que bah, plus tu vas descendre et plus tu vas aller tout au long du voyage de sanctuaire en sanctuaire, plus tu vas rencontrer des sanctuaires compliqués. Est difficile. Et le jeu est pas mal. Le jeu est très très bien. Le jeu donne envie à continuer. Si vous aimez la difficulté progressive dans les jeux vidéo comme celui-ci, vous allez trouver votre bonheur. Évidemment, il y a un peu ce système également de boss. Où en gros, à chaque fin de sanctuaire, t'as un boss à tuer. Voilà. Les aires d'attaque et les vitesses de mouvement des villageois qui sont à l'intérieur, ils peuvent être des dégâts. Ah oui, ok. Ah, les fameux trésors. Bah là, on va pouvoir utiliser donc. Hop. Lui, on va lui demander d'être un voleur. Alors, le voleur. Le voleur, c'est lui. Hop.
le voleur et je peux donc lui demander. Et je pense que peut-être qu'il va y aller de lui-même. Annuler les réparations, non. Il va peut-être aller de lui-même, je pense. Ah. Annuler la réparation ? Non, je n'ai pas envie qu'on annule la réparation. On va faire un bûcheron. Ah, mais c'est qu'il y a déjà des réparations qui sont en train de se faire, c'est pour ça. Qui a écrit annuler la réparation. Alors, un autre bûcheron, comment on l'a amélioré ? Là, on va avoir plein de villageois. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Ok, on va demander de réparer. Encore un bûcheron. On va faire... hop. Un archer. Oh, je sais pas ce que j'ai demandé. Là, on est sur le voleur. Le voleur, j'aimerais bien qu'il fasse... Qu'il y aille. Je sais pas comment on fait déjà. Le voleur, je voudrais lui dire de voler, du coup. C'est peut-être pendant la nuit. Il y a un monde où c'est pendant la nuit que... Ah, oups. Je voulais un archer. Bon, c'est pas grave. Lui, ça sera un archer, lui. Hop. Archer. sur 8. Putain, il y a vraiment beaucoup d'endroits. Ça en est où dans les réparations? Ça va presque. Ok, on va demander de réparer cet endroit. On a ici. sur 8. Ah non, je voulais libérer le cerf. Ok. Ah, il y en a un qui est pile là. On va faire... on va changer, on va mettre ça, c'est très bien. Faut que je repère les autres endroits. Il en manque deux. Ah, mais à l'intérieur, je vois. J'avais pas vu ça. Allez, let's go. Il en manque plus que un. Pas où il est, mais il en manque un. Ok, ça, ça a été réparé. Ça, c'est très bien. Va falloir que je prépare l'attaque, moi. On attend. Demander de réparer. Il y en a un dernier. Est-ce que je l'ai... Où est-ce que... Je sais que je suis aveugle. Il y en a un dernier qui me manque. Bon, ce qu'on va faire, c'est que quand même, il y a le coucher du soleil qui arrive. Donc le voleur, j'ai aucune idée. Le voleur, on va le laisser. On va mettre ça ici. On va mettre ça... Oui, ici. On va mettre là un peu sur le côté. Ah, ici. Ah, ici. Et une ligne de bûcheron. Normalement, c'est ici l'entrée. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ok. Ah, et que tout le monde arrive là. J'en ai une petite idée. Alors, il me manque juste un endroit à purifier. Annuler réparation, c'est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il faut que je... Merde. Je le vois pas. Non, merde. Je sais que je suis aveugle, mais je le vois pas. Je le vois pas. Je sais pas ce qu'il faut que je purifie. C'est le dernier, en plus. Vous l'avez vu ?
Vous l'avez vu, vous? C'était dans la maison, hein. Derrière la maison, tu penses? Ah, il y a peut-être un monde où il faut réparer la maison. Ou derrière... Ouh, derrière la maison. Ok. Ok. Non, juste avant la nuit. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est? Joie et colère. La puissance d'attaque des villageois augmente, mais celle de saut est réduite. Non, je veux pas shoot. Non. Ok. Bah là, il reste plus qu'à attendre. Donc là, si je comprends bien... Mais il m'a servi à rien, ce villageois, hein. Bon, attends, on va faire en sorte qu'il serve à quelque chose, quand même. Et je sais pas comment j'ai faire pour lui demander de voler. Tant pis. Oh là là, quelle horreur. Oh là là, quelle horreur. Ah, oh, ah, d'accord. Ah oui, ah, oh, ah, oh. Ah, oh, ah, bah, ah, oh. Ah bah oui! Eh ben c'est foutu. Et ben voilà, on a perdu. Voilà, c'est perdu. C'est perdu, chat. Je suis morte. Ah. Ah, du coup, je comprends mieux l'item qui donnait plus de puissance au... Je peux rien faire. Donner les cristaux à Yoshiro pour l'exorciser. D'accord, ok. Et du coup, je peux contrôler mes villageois, mais mes villageois, ils vont tuer tout le monde. Et il faut que j'aille récupérer les cristaux. Ok. Bah, travaillez bien, hein. Travaillez bien, moi je vais aller... essayer de libérer notre petite Yoshiro. Heureusement que j'en avais déjà pas mal, hein. C'est vraiment toi, défense de qualité. Il y a un mob qui a ignoré tout le monde, qui est directement sur la meuf. Mais tout va bien. Allez-y, là, tuez, là, que je récupère les... Vas-y, tuez. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oula. Un sumikagi. Alors moi, là, je suis en train de voir des fesses. C'est quoi le sumikagi? C'est juste un... Ah, c'est juste qu'il est un peu plus puissant que d'habitude. Nickel. Allez, je vous laisse. Les gens se débrouillent très bien. On y est presque. Allez, il va falloir qu'on attende que ça revienne. Bonjour à ceux qui arrivent, évidemment. Oula. Et ben là, je ne peux que espérer que mes petits villageois y arrivent, hein. Ils veulent pas attaquer? Personne ne veut attaquer? Personne ne va l'attaquer, t'as très bien. Je peux soigner, mais je peux les soigner. Si je veux, il semblerait que je puisse les soigner. Bah par exemple lui là. Ah non, je ne peux pas, mais non, mais évidemment ça me coûte. Allez, on espère qu'ils vont y arriver. Hein. Allez, de moitié... Non, on n'est même pas à la moitié de sa vie. Oh. Et le fait que je sois pas là, c'est une horreur. Oh. Eh bien, évidemment, mais eux...
Bah, je suis désolée, mais rapprochez-vous. Hein. Rapprochez-vous, parce que là, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique, tout le monde, là. Non, toi, t'es très bien où t'es. Toi, bah, évidemment, faudrait se rapprocher pour que tu le touches. On en a un qui est... évidemment, pareil. Toi, bah, c'est bien, vas-y. Allez, hein. Ah, voilà, oui, bah, tout d'un coup, maintenant que tout le monde est en train de l'attaquer en même temps, c'est mieux. Oui, bah, c'est bien. C'est bien travaillé. Super, il est super. Ah, ça donne masse. Ok. Oh, ils sont tous dans un état. Attends, je vais les rejoindre, mais avec un peu de chance. Ok. Il va y avoir des petites créatures. Lui, il est dans un état où il est mort. Lui, il y en a... Ok, j'en ai perdu deux. Allez, on va espérer que ça va. J'ai perdu deux personnes. Je dirais qu'il m'en faut au moins 200 là. Oh, quelle horreur. Ah ouais, non, il faut plus que 200. Ok, là il m'en faut 300 en vrai. Allez, courage, j'espère juste que c'est pas un boss. Si c'est un boss, c'est la merde. Enfin, un gros monstre. Allez, pitié que ce soit pas un gros monstre. Ça va être un gros monstre. Ça va être un gros monstre. C'est évident que ça va être un gros monstre. Ça met trop de temps à arriver. Sinon, c'est le petit jour, le petit matin. Est-ce que je peux pas détruire des plantes? Non, je peux rien faire. Je ne peux rien faire à part attendre. Je suis un petit peu embêtée. Ah mais c'est qu'il y en a un là, à tuer là. Ah mais attends. Il y en a un ici là, peut-être pour ça. Il y en a un qui est là, qui attend. S'il vous plaît, venez. Détruisez-moi ça là, il est en train de détruire la porte. Ok. Ah non, attends. Toi, t'étais très bien où t'étais. On va juste faire revenir les gens où ils étaient. Okay. Non, mais avec 8, je peux rien faire avec 8, là. Je peux rien faire. Voilà, je ne peux rien faire. Je sais pas quoi faire dans le jeu. J'ai... Ah ça y est, il y a une vague de monstres qui arrive là.
Ok, super. C'est parce qu'il y avait vraiment un monstre qui était pas encore là. Ok, on en a... Super. 50, ça devrait le faire. Oh putain! Ah! Une boule! Une putain de boule! Ok, c'est bon. Ça va le faire. Vas-y. Let's go! On a réussi à la libérer. Ça me rassure. Ça me rassure. Eh bien, c'était un tower defense assez particulier. Coucou, Relchen. Ça se passe bien la cuisine de leur côté, là? Ils vont me donner faim, là. Des petites lasagnes, là? Espère du combat au corps à corps. Le sumo est parti au corps. Oh, le sumo! On a le sumo. Nickel. Nouvelle unité. Trop bien. Ok. Donc maintenant on a... Ah, il n'y a pas de boss. Ah, c'était déjà... Oui, c'est parce qu'on avait le boss dans le village lui-même, en fait. C'était... Il y avait un peu de ça. Allons récupérer les items. Ouais, plutôt simple ce boss au final, en fait. Oui, c'est vrai. Juste on a laissé les autres travailler à ma place. C'est un petit bonheur, en vrai. Ok. Donc là, les gens vont travailler et je crois que le dernier, c'est ici. Et voilà. Et on aura la récompense de cette base très bientôt. Donc là, maintenant, on a le sumo. Je vais déjà l'améliorer, le sumo. Ah oui, un peu plus de peinture. Vous allez... il sera plus résistant. Bon, les voleurs, va falloir que je vois un petit peu comment ça s'améliore. Mais oui. Boum. Hop. Chat. Je pense que ça va être le moment pour moi de vous quitter. Quand même. En tout cas, Kunitsugami, c'est un jeu que vous pouvez avoir et acheter du coup dès demain. Vous avez la démo déjà accessible sur Steam. Également, vous pouvez y jouer sur Xbox, sur PlayStation. Il est multiplateforme, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à le voir. J'espère que, en tout cas, cette découverte que, avec moi, vous a plu. Et que ça vous a donné une petite idée sur le jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous faites point d'exclamation KG.